bonjour à tous, c'est Miguel Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième fois sur Resident Evil 4 pour faire le chapitre 2 et 1. Alors aujourd'hui, on va peut-être faire 50 ou 40 minutes de vidéo vu que la vidéo précédente elle a duré je ne sais plus combien de minutes. Donc on va reprendre où on en était. Donc je me rappelle, on était en route vers l'église pour le chapitre 1 et 3. On était mis tard en route vers l'église. Et vu qu'elle était fermée, on a été obligé de se rendre dans une destination loin, mais qui est loin de l'église, et on s'est retrouvé dans un lac. On a affronté le monstre du lac, et en plus, à la fin, quand on l'a tué, on s'est évanoui. On s'est évanoui, c'est ça, dans une cabane. Mais on ne sait pas si on est vivant ou si on est mort. Donc déjà, je vais commencer à mettre chargé parti. Nous allons découvrir si je suis mort ou si je suis vivant. Ça, on ne sait pas. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I'm starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm going to continue my mission. Bah on se retrouve là où c'est qu'on s'était évanoui, donc je parie même que le monstre lac doit être vivant, il doit être encore dans le lac. Putain. On commence déjà, il y a une caisse là, il n'y a quoi dedans, il n'y a rien. Oh, il y a déjà une grenade aveuglante là. Un pistolet, des munitions pistolet, je veux dire. Oh, tiens, il y a un fichier. Qu'est-ce que ça dit? Oh, c'est une lettre anonyme. Qu'est-ce que ça dit? Un objet important est caché dans les chutes, si vous le trouvez, vous pourriez peut-être aider Ashley à s'échapper de l'église. Alors, si je comprends bien, il y a un objet qui se trouve dans la cascade et on doit le ramasser. C'est notre seule chance de sauver Ashley de l'église, d'accord. Et c'est une clé ou soit un truc qui pourra nous ouvrir la porte. Et ils disent encore autre chose. Attention, le chemin permettant d'accéder à l'église n'est pas facile. Ils ont placé ce qu'on appelle un L gigante. Que Dieu vous protège. Pour ce qui est de votre état, je pouvais vous aider, je le ferai, mais cette situation me dépasse. J'ignore c'est qui a écrit cette lettre anonyme. Je vais voir la carte, là, pour voir où on est. On est ici. On était là. On est encore dans le lac. Il faut aller ici. C'est quel point rouge, la destination? Ouais, d'accord. Oh, tiens, il y a un endroit qu'on n'a pas visité et il y a un M. Ça veut dire qu'il y a le marchand d'armes. Ça donne le coup d'aller visiter l'endroit. Voir s'il n'y a pas des nouvelles armes ou s'il y a des choses à améliorer. Si on peut améliorer nos armes. Oh, attendez une seconde. J'ai vu quelque chose bouger dans l'eau. Oh, j'ai vu la taille de poisson gigantesque. Ah, il t'a sauté. Tiens, j'en ai eu un. Merde, remonte dans ton bateau. Prendre. Il y avait écrit prendre. Il est où? Ah, il est là, le poisson. Non, mais pas détendre. Va prendre ton poisson, bordel. Putain, un black basse G. Putain, la place qui prend ce mastodone. Non, on va pas le prendre. Elle était bête de l'avoir tué. Allez, on laisse. Ciao, Pechino. Pech. Pech, ça veut dire en portugais
ça veut dire poisson. Pêchi, ça veut dire petit poisson. Hop, on arrive, il y a le marchand d'armes. Tiens, il y a des tonneaux là. Il y a quoi dedans? Non, il n'y a pas de munitions. Il y a quoi? Des munitions pistolets, de l'argent. Encore de l'argent. Waouh. Hey, regardez ça! Putain, ils ont des Chicago, des TMP, des pistolets mitrailleurs, des pistolets ainsi que des armes. Oh putain, des mitrailleuses. Putain, vous avez vu ça? C'est une sacrée collection. Putain, il y a même des munitions aussi, et des grenades, comment on appelle ça déjà, des missiles. Je me demande comment ils ont fait pour retenir cet arsenal. Oh là là. Et on va parler aux marchands d'armes. Tiens, nouveau. On peut faire des nouvelles modifications sur nos armes. What are you selling? Déjà, on va vendre des choses, les trésors. Je ne vais pas vendre la shop avec le V et R, ça veut dire avec les deux rubis. Puisqu'il reste encore, encore un petit truc à trouver. Je sais plus qu'on a fait là. Ah oui, les œils. Donc, le masque, je parie qu'il y a encore trois trucs aussi qu'on peut mettre dessus. Donc, on va pas le vendre. La shop, non, pas pour l'instant. Et ça, le bracelet en or, on le vend. La pipe ancienne, oui. Le sprinel. Et un œuf en or. Oh, t'as beau au moins 3000. Voilà. Attends, on se met un peu d'argent. Et on améliore nos armes. Le fusil, on augmente la puissance, la quantité de munitions. Le fusil à pompe, la puissance aussi. La quantité de munitions, pareil. Et il manque juste le pistolet. Le TMP, on ne peut pas encore améliorer. L'améliorer encore. La puissance de feu, pareil. La quantité de munitions, pareil. Et voilà. Tiens, il y a un autre chemin. On dirait qu'on peut pousser cette caisse. Eh, il y a des caisses. Eh, il y avait une échelle là-bas. Oh, il y avait une plante verte. On a de la place encore. Oh putain, on a encore une toute petite place. Ici. On pousse. Pousse ça. Hop. On pousse. Il y a encore deux caisses là. Il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans celle-là? Qu'est-ce que c'est? Gemme verte, je veux voir ce que c'est. Examiner. Gemme verte. Les masques figurant sur cette pierre indiquent qu'elle était sentie dans un objet. Sérieux? Hé! Hey! Attendez une seconde que je vois le masque. C'est à peu près le même cadran qu'on peut. On dirait qu'on peut mettre la gemme dans ce masque. On va voir. Ah ouais, ça se met dans ce masque, ça adapte. Ça veut dire que si on trouve encore des gemmes encore, que ce soit de différentes couleurs, on a trouvé un vert, ça veut dire que si on trouve encore d'autres couleurs avec le masque, punaise, je demande ce que ça ferait. De l'argent. Hop. Oh, tiens, il y avait des munitions là. Oh, il y a même des lance-roquettes et encore des pistolets mitrailleurs ici. Ils sont riches ici pour payer toutes ces armes. Les gens. Ok. On avance. On va quitter ces grottes, là où c'est qu'on est entré. On avance. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas conduire un bateau ou quoi? Voilà, on est arrivé à la terre ferme. Là, il y a un panneau qui indique quelque chose. Chute d'eau. Donc ça va aux chutes d'eau. Donc si on franchit ses portes, ça va directement aux chutes d'eau. Ah bon, avant d'y aller, je vais déjà commencer par prendre une grenade. Si on se retrouve avec des ennemis dans au cul, on pourra les aveugler. Comme ça, on aura des coups de pied et je les poignarderai au couteau. Au moins, j'économise mes munitions de balles, pistolets, fusil à pompe. Sniper et mitrailleur. Tiens, un affecté. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il était explosé. Oh, c'est quoi ça? Grenade.
on l'a déjà tué avec la grenade. Non, d'aveuglé. Hop là, couteau. Tiens, t'aimes ça? Rossard, tiens, tiens. Voilà, connard, t'es mort. Tiens, il avait de l'argent sur lui. Wow, où est-ce qu'il nous a donné ce mec? Il avait de l'argent aussi. Je vais voir un peu notre argent. Oh, pas mal. Je prends mon sniper. Tiens. Là, on a vraiment l'impression qu'on est dans un barrage. Ah, ah non, on dirait... Ah oui, t'es une écluse, ce truc. Alors, si je me rappelle bien, j'avais fait un bug ici sur ce jeu aussi. C'était sur cette map. Donc, je me rappelle où est-ce qu'il était le bug. Si je me rappelle bien, il était attendu ici dans cette cabane là, avec le toit ici. C'était là. Waouh, il est super l'endroit. Elle est vraiment bien la cascade. Tiens, il y en a affecté là. Je vais tirer au sniper. Tiens, t'es mort. Oh putain, comment je l'ai balayé. Mon pistolet. Oh tiens, il y a un trésor là. Bim. Alors, tiens, des munitions de pistolet. Oh putain, je suis plein. Je vais m'équiper du sniper, hop. Voilà, je recharge mon sniper, hop. L'argent. Bim. Tiens, il y a une chaîne à poser dans tes caisses. C'est vrai qu'on peut tirer dessus. Ah, d'accord. C'est là aussi. Sur l'autre aussi. Oh. On a rebondi sur la caisse. Bah, c'est bon. Et la sortie. Tiens, il y a quelque chose qui brille encore là. Une vague. Qu'est-ce qui se passe pour pas passer? Le courant est trop fort. On dirait qu'il y a un chemin de l'autre côté. Bah. Attendez que je mets la carte. Ouais, c'est par là qu'il faut aller. Donc ici, c'est le chemin qui est bloqué. Et pour stopper, et pour, comment dire, passer, il faut qu'on... Il faut qu'on bloque l'eau pour ça. Mais j'avais vu une écluse tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut bloquer l'écluse. Il y a une caisse là. Il y avait de l'argent. Oh, ce que ça nous a rapporté, punaise. Alors, c'était ici que j'avais fait mon bug ici, donc... je sais pas, ça donne envie de le faire, mais... je vais essayer de le faire en une fois. Bon, moi, je vais éteindre, je vais actionner le levier, c'est pour activer, c'est pour bloquer l'eau. Ça va activer les clous, et comme ça, l'eau va stopper de... Il n'y aura plus d'eau. Là. Bim. Voilà, l'eau elle s'est arrêtée. Quand même, je vais essayer de faire le bug pour vous le montrer encore une fois. Parce que la tension est trop forte pour moi, ça donne envie de le refaire. Par contre, si je tombe dans le coup, c'est pas grave. On recommencerait. Lui, ça marche pas ou quoi? Là, on y est, vous voyez. De toute façon, je veux passer à travers les murs.
Hop là. On va mettre un objet, c'est quoi ça? Un signe circulaire. Tiens, on reçoit un appel encore. I've obtained an object that resembles the cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Punaise. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on peut gâter ça. Attendez que je vois la carte vite fait du monde. On est allé dans cette destination, on a récupéré un objet et maintenant il faut retourner à l'église. D'accord. On franchir cette porte. On peut casser encore le petit truc en flamme là. Tiens, il y a quelque chose qui est tombé. Un sprinel. Voilà. Il y a deux caisses. Il y avait de l'argent sur celle-là. Il y a un bateau. On est revenu alors à l'endroit où c'est qu'on était passé une fois. Tiens, il y a le marchand d'armes encore. Je vends des choses que j'ai trouvées au barrage. Hop, je vends ma bague, mes deux sprinelles, et comme ça fait un peu d'argent. La grenade, je vais peut-être en avoir besoin. C'est pas encore des caisses et des choses si on en avait oublié là. Non, il n'y en a rien. Attendez une seconde, j'ai mal dit. Non, c'est bon, il n'y a rien. Hop. Tiens, je me rappelle qu'on était arrivé ici, on entendait des gros bruits de bâillement. Là, on les entend plus. Une plante verte. Putain, on n'a pas assez de place. Bon, on la laisse. Il y a de l'argent ici. Voilà. Il se passe quoi? Oh, la porte est fermée. Un infecté. Oh, il ferme l'autre porte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de quelque chose. On entend encore cette voix bizarre, c'est vraiment bizarre. Oh, c'est un troll carrément! Putain! Il a tué tous les villageois, il est tout seul cet homme. Il va se courageux pour qu'on va le battre, qu'on va obligé de le tuer. Tiens. Putain, il est vers nous. Amène-toi, sac à merde. Il a détruit le métro, il est tout seul. Tiens. Putain, il est coriace. Cours. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il a pris un arbre sur lui. Je recharge. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, putain, qui tombe de son dos. On va rien prendre. Tiens, on dirait qu'on peut s'approcher de lui, on peut monter. Couper. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Oh, c'est le... Je connais ce loup, c'est celui-là qu'on avait sauvé une fois au début. Ah, c'est un chien, c'est pas un loup.
Ah, ils sont pas parfois, mais au chien. C'est une trop chance. Donc on appelle l'aspect tiens. Putain. On passe au TMP. Recharge. Tiens, prends-toi des balles aux fesses. Tiens. Le temps de recharger mes balles de pistolet. Hop. Montez. Coupez, coupez, coupez. Bim, on l'a eu. On l'a eu. Putain, il avait garant sur lui, qu'est-ce qu'il avait quoi sur lui? Oh putain, 15 000 $. Il avait l'effet de... oh, il y avait des choses à la cabane, on va les prendre. Il y avait un sprinel, des munitions de mitrailleuse, une plante verte. Putain, on a utilisé beaucoup de munitions. Il y avait une plante rouge que j'avais vue ici. Munitions de pistolet, plante rouge, on va l'associer avec la plante rouge verte. Hop. Il y avait une plante jaune, oh punaise. Alors là, on a quoi, comment dire, augmenter notre santé. Voilà. Putain, comment il est mort. Putain, il a la gueule ouverte. Je veux voir qu'il n'y avait pas d'autre chose dans la cabane. Un sprinel, des cartouches de fusil à pompe, de l'argent. Il n'y avait rien, autre chose, non. Et là-dedans, munitions de pistolet, de l'argent. On peut casser les torches en plus. On casse ça. Là, on est presque arrivé, comment dire, à l'église. Je vais commencer déjà à prendre mon sniper. Des choses à prendre dans la cabane. De l'argent. Et là-dedans, de l'argent encore. Tiens, c'est quoi ça? Oh, c'est un chien. On peut même le tirer dessus. Oh putain, il y en a d'autres qui arrivent. Sors une grenade. Tenez. Tiens, on en a tué un. Sors le TMP. Ils sont où les autres? Oh putain! On en a tué un autre. Putain, il y en avait trois. Tiens, bah, on va pouvoir aller à l'église maintenant. Insérer l'insigne, c'était ça qu'il fallait insérer. D'accord, et on rentre. Qu'est-ce que c'est? Cet insigne apparaît partout. Je me demande si c'est s'agit d'une région locale. Ah, cet insigne-là? Ouais, on le voit un peu partout. Je parie que c'est le signe de l'organisation des plagards. Tiens, il y a une caisse. Ça contient quoi? Une grenade aveuglante. Avance. On continue. Hop là. Tiens, c'est le portrait tout craché d'un mec qu'on avait vu une fois dans le chapitre 1 et 2. C'était dans un rêve que le mec avait rêvé. C'est quoi? Activation. De quelle couleur voulez-vous activer? Donc c'est rouge. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Ah, j'ai compris. Je demande s'il faut pas les tourner. Ça doit être ça, dans les trucs en posé, donc ça fait une forme.
ça doit aller là, et si on les combine, ça ouvre un passage. Oh d'accord, je vais voir c'est où la destination, c'est à l'église, et c'est là que la fille du président est enfermée. On va pouvoir la délivrer. My subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. On a réussi à sauver la fille du président. On l'a libérée. Tiens, on a un nouveau manuel de jeu. Ah, il explique comment on joue avec la fille. Donc, quand on lui donne un ordre, on appuie sur X, elle bouge pas. Et quand on lui dit viens par là, on envoie appuyant sur X, elle revient vers nous. On peut même utiliser, on peut, quand on est, comment dire, par exemple, quand on saute d'une échelle ou des obstacles, elle peut pas trop sauter parce qu'elle a peur, d'accord? Et quand elle est blessée, on peut lui donner des médicaments, ça c'est bien ça. Si par exemple elle est en danger, ça veut dire que si elle est morte, la mission a échoué, donc il faut pas que la mission soit ratée, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Des caisses, il y a des munitions de pistolet et de l'argent. De l'argent encore. Merde. De l'argent et des munitions de pistolet. Une plante verte. Tiens, il y a trop de place. On va pas la prendre, on la laisse. Bim. On va quitter cette espèce d'église. Ah, quand il y a cet effet de très ce cercle jaune avec une croix, ça veut dire qu'elle peut pas sauter. Donc on peut la rattraper. Hop là. Et on avance. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnapped the president's daughter in order to give her our power, and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her. She returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your mind. Don't you think this is a revolutionary way to propagate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Is that Bennett? Oh là, ils vont nous tirer dessus. Oh. Et en dessous d'une fenêtre. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Ouais, je suis d'accord. Oh bah non, c'est dommage. On pourra pas continuer, c'est déjà la fin du chapitre.
Bon bah écoutez tous, je pense qu'on va devoir s'en arrêter là. On notait justement que 7 gars, putain. Ah oui, plus un ogre. Bon bah je pense qu'on va devoir s'en arrêter là tout le monde. Donc on a déjà fait pas mal de chapitres, ça va faire déjà le quatrième qu'on fait. Donc le 1, 2, 3, quatrième chapitre, oui. Donc on sera... Ah, il manque le chapitre suivant dans une case, là, dans une cabane. Et il y a des espèces de barrières. Enfin, pas de barrières, mais des portails. Donc, ce sera le tech là où c'est qu'on sera. Bon. Bon, bah, écoutez tous. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez cliquer en vous abonnant à ma chaîne juste en bas ou par exemple quand vous regardez une de mes vidéos. Ou aller dans ma chaîne pour vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à tous un bisou pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, tout le monde. Allez, salut tout le monde.